L'autoportrait de 1917 est un des autoportraits les plus emblématiques de Kokoschka. Il le réalise juste après sa traversée de la Première Guerre mondiale. Dans cette œuvre, on voit Kokoschka dans une atmosphère assez crépusculaire qui montre avec l'une de ses mains une des blessures qu'il a reçues pendant la guerre. Il a reçu un coup de baïonnette au thorax et sa main désigne cette blessure, même si on ne la voit pas puisqu'il a ses habits. On voit dans ce geste une blessure aussi bien physique que morale. L'autoportrait sera une manière de s'affronter, vraiment de s'affronter en tant qu'artiste et de rechercher où se trouve la vérité de sa peinture et les raisons pour lesquelles il poursuit cette introspection à travers la création.